Pourquoi? Ouais, toi t'as pas la même vue parce que c'est pas la même caméra. On a vu sur la caméra au fur et à mesure. Et là, classement, il est pas bien. On vient juste de recevoir. Et nous, je crois, envoyer au bon format. On a préparé le tableur cool et quand même, bah, il faut une petite chose. On retrouvera terminer deuxième du trophée Maxime Federer la saison dernière. On retrouve également Pierre-Henrik Clavier, porteur du Gothard 182. On retrouvera également Louis Vettore, qui termine notamment deuxième du Grand Prix de Tours. On retrouvera également Florian Cartouen en Gothard 184. Thomas Hélan en 185 et Nathan Olivier en 186. Mesdames, Messieurs, bon applaudissement pour le vélo de l'UCA. Alors, effectivement, il est très ambitieux. On rappelle le départ demain, là, ce sera un départ arrêté sur cette ligne à sortie à Chalon à 13h30 très précisément. Et on va aller voir d'ici du côté de Sable Vendée Cyclisme. Mais Sable Vendée Cyclisme avec. Coureur au départ aujourd'hui avec pour commencer Valine Delon, celui qui est venu pour le promener d'achat, qui avait remporté une étape du côté de Luther Breton. Nous aurons également Edouard Morin, lui avait brûlé aussi sur le promener d'achat, sur le Marcel Bergeron encore du côté de la classique Jarret Verbe. Nous aurons à ses côtés donc Fabien Boire, celui qui avait brûlé du côté de Valette, du Chantonnay encore sur 11 pays de la Loire. Et il y aura également Enzo Chaillot, celui qui est bien intègre à cette formation Espoir Première Année qui avait brillé sur les championnats régionaux de Pays de la Loire. Hein, notamment, nous aurons également Simon Bourmeau, celui qui avait brillé sur Enzo de la Loire sur le coup de Pilserol ou encore sur les Pauvilles de Rue-Puy-le-Vent pour compléter la formation. La présence d'Adrien Vignier, le courage pour les brillants sur le souvenir d'un prospérant encore sur le grand merci. Les applaudissements pour les sables de l'athlétisme. Les sabres des cyclistes, parce qu'en fait, un joyeux anniversaire à Fabien Boire, parce qu'il me semble que ça doit être aujourd'hui. Bien vu, joyeux anniversaire, Fabien. Ah, c'est ça, tu regardais ma fiche pour voir si j'avais le coup. Ah, on est d'accord, c'est là que notre bisou, il chante, forcément, c'est sa première présentation, ça veut chanter joyeux anniversaire. Bon, le temps est encore bon, on va essayer de ne pas chanter aujourd'hui. Ah, ils ont dit non, ils sont pas. Direction la Dordogne. Direction la Dordogne avec le fils éphérique de Dordogne qui va nous rejoindre. On retrouvera dans cette équipe Lucas Envenier qui vient pour la troisième fois, il me semble, participer à ces phases vendéennes. Nous recevrons également Romain Pelu qui a porté le maillot jaune sur le Tour de France. Plus récemment, il terminait le week-end dernier 19e du Futur Coupe des Sorts. Il a remporté les Coupes des Sorts aussi. Nous retrouvons également Julien Dany. Dans cette équipe de Périgueux d'Ardenne, nous retrouvons également Camille Antonor, Mathieu Morichon, Damien Lapouze, et enfin le champion du Dauphin 127, Yvan Margherita. Allez, on va faire une petite blague, hein, comme ça on va voir comment il est pas bien se passer. En tout cas, c'est une équipe qu'on surveillera aussi. Hein, les équipes de Dordogne avec François Romandy, l'acteur de l'équipe de l'essor de l'Union dernière. On a vu que les équipes de France de l'Union européenne de nombreuses années, hein, de faire qui a remporté le bouquet de l'eau de la Château, l'un comme Tourny et Jean
Simon, pour la première fois, c'est plutôt dans le cycle pour la lutte interrégionale de cyclo-cross et Mathieu Mandechamp aussi, un spécialiste des sous-bois. Direction le Maine-et-Loire, direction le Maine-et-Loire, c'est Cholet 49, Mathieu. Le maillot a beaucoup changé également du côté de lycée sur le 49 avec le noir sur les manches. Ça surprend, mais encore une fois, on va s'y faire avec Thibaut Pomard, si vous l'avez vu sur les routes Loire versée. On aura également Arthur Nicolas, beaucoup plus musclé du côté du Grand Prix de la Ressource sur le Grand Prix du Côte d'Armor ou encore sur Nantes. Et on aura du côté Axel Taillandier, qui avait joué sur le Grand Prix Chantal Guillard sur le groupe Cameroun. Il y aura également Alexis Fouquier, deuxième du côté du Challenge Magalais à Saint-Germain, donc sur le troisième du Tour des Vosges. Nous aurons également Erwan Bélé, celui qui allait venir sur le Grand Prix Périgueux à Trélazé. Alexis Robert sera présent également, quatrième sur le Tour de Vosges, qui allait venir sur le Tour de Loire-Atlantique. Pour compléter la formation sur le test, Clément Leroux sera donc au départ, celui qui allait remporter la première étape du Bernardet de Pétain. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le tour sur les 49. Alors que l'on va prendre la direction de Chartres, avec Chartres Cyclisme qui nous rejoint ici. On va retrouver notamment Baptiste Constantin, au sein de cette formation, qui avait signé 4 victoires la saison dernière, notamment de Chartres, notamment deuxième du Tour des Vosges. On retrouvera également Christopher Piri, qui terminait 6e du championnat du centre Val de Loire la saison dernière. On retrouvera Arnaud Fouquet, Thomas Courbet, Ludovic Pinot, qui terminait notamment 3e du Grand Prix Saint-Georges-sur-Loire, ou 3e du Prix d'Amagne. On retrouvera également Sébastien Piri et puis Théo Otou. Et on va reprendre la direction de la Bretagne, Marion. Le neveu de Franck, je pense que ça, c'est tout le monde. Mais ça ne se voit pas parce qu'il a le casque. Avec Maximilien Promo, comme je le disais, le coureur qui est en pleine préparation de notre nouveau objectif qui arrive donc. Du côté du mois de mars, nouvelle équipe, nouveau maillot pour ce pouvoir engagé sur le terrain de l'idéal. On aura bien sûr en chef de file Florian Gautin, celui qui est le stagiaire au sein de la Télévision. Il a son confiance, il connaît également les joueurs sur plein de correspondants en France, 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 la voiture, qui est d'ailleurs. Non, il y a
Et on va retrouver les Vincos avec le vent du Pays de Loire qui nous rejoint. On va retrouver dans cette équipe Lucas Fonipas, le joueur comme le départ numéro 1, qui a suivi la saison dernière, notamment au Stock 10, il a également eu une très très bien dans l'équipe, une victoire contre le premier CPA de Vesla, qui termine également le poste de France. On retrouvera également Thomas Bonnet, qui le week-end dernier décroché la 3ème place sur le circuit des sorts, qui termine également la saison dernière 7ème de sur le tour de la Guadeloupe en décrochant notamment la 4ème place au classement général. On retrouvera également Lucas Grenier qui s'est rendu le week-end dernier dans le circuit Pelé-Sort. Il avait également gagné la lotion de la série dernière qui termine la 4ème étape du tour de la On retrouvera également Nicolas Mathieu qui fait sa 2ème saison de Pelé-Sort. On retrouve également Benjamin Pépine qui maintient la nouvelle entrée de cette saison. L'an dernier, on termine et enfin, on retrouvera Baptiste Vadi qui termine la 6ème des ventes de l'histoire. Il avait signé tout le top 10 la semaine dernière. Il termine le 8ème de Borgo Saint, le 5ème de la Ronde Magdalene. Il signe également le podium sur le trophée Maxime Mellerel dans une victoire. On peut applaudir l'équipe Vendée Pays de la Loire. Allez, on va vous présenter rapidement désormais les dernières formations de part au moins 9 minutes désormais. Donc avec le super Vendée, voilà, dans les équipes de performance avec Raphaël Catou qui est la route ministérielle avec Vincent Vélo pour le 21 ans. Voilà, on aura également Luc Leparquier, de Bretagne ou encore sur la flèche qui vous aime, mesdames et messieurs, les applaudissements pour le CP Morlaix. Et on va pouvoir enchaîner avec Dimanche Soir Festi qui va nous rejoindre, où l'on retrouvera le docteur 80. Nous retrouvons le 283 de Pamel, le stage qui juste les couleurs de Pinot pour cette nouvelle saison. Il termine notamment 3ème du Grand Prix de l'Opiné la saison dernière. On retrouvera le porteur du 284, Lucas Caro, qui termine notamment 6ème de la Ronde du Lyonnais. Le 285, le qui terminait notamment 11ème du étape de la Ronde ministérielle.
C'est bon, on est en direct ? Ah, vous m'entendez là?
et bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur ce direct vidéo de la 35e édition du circuit des plages vendéennes. On a plaisir à retrouver cette épreuve du début de saison sur les routes vendéennes qui n'avait pas eu lieu l'an passé pour les raisons que vous connaissez. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui pour vous commenter cette première manche du côté de Challans. Eh bien, par deux consultants de luxe, l'un a porté des couleurs de l'UC Nantes Atlantique. Il a couru le circuit des plages vendéennes, il a été champion de France dans les rangs cadets du côté de Civaux. C'est Clément Holnet. Bonjour Clément. Bonjour Simon, bonjour Brian, bonjour à tous. Oui, oui, c'est vrai que j'ai couru, j'ai eu le plaisir de courir sur ces plages vendéennes. Toujours une course très prisée par les coureurs en début de saison. Et de l'autre côté, à côté de Clément, bien on retrouve là aussi un coureur qui porte maintenant les couleurs du Vélo Club des Herbiers, organisateur de course aussi avec la classique d'Arnaud-Cycle ou encore le critérium par élimination. Gartoise situé éliminé du côté des Herbiers, qui aura lieu en août prochain d'ailleurs pour la deuxième fois. C'est Brian Leclerc. Bonjour Brian. Bonjour à tous, bonjour Simon, bonjour Clément. Je suis ravi aussi d'être là avec vous cet après-midi pour commenter une belle épreuve des plages vendéennes, la première après une édition qui avait été annulée l'an dernier. Et on a un beau soleil en Vendée, donc on pourra profiter derrière l'écran et on pourra vous commenter ce live stream toute la journée. Alors messieurs, première manche aujourd'hui, il y aura 6 jours de course, on est aujourd'hui du côté de Challans. Les coureurs qui se sont lancés il y a déjà quelques instants, ils sont partis pour 133 200 km, 6 tours de 22 200 km à parcourir aujourd'hui. Et on le voit, une première échappée qui s'est formée de 3 coureurs, les 3 premiers attaquants du jour, avec Nicolas Marcerou, le coureur de la formation Vendée, qui est présent à l'avant. À ses côtés, on retrouve Kylian Genoin pour la formation Laval Cyclisme 53, et puis le troisième homme, c'est bien Davier Romian du team LMP, la Roche-Vendée Cyclisme. Et à l'instant où je vous l'ai présenté, ils viennent de se faire reprendre par la contre-attaque. Une contre-attaque où on voit qui est composée d'un autre homme de Vendée U et d'un Côte d'Armor Marie Morin qu'on voit pas à l'écran pour l'instant. Mais on voit que derrière, il y a une nouvelle contre-attaque de 4 coureurs qui est en train de se rapprocher. Et j'ai bien l'impression qu'on voit le champion de Bretagne, Ewen Kostiou. Oui, Ewen Kostiou sous les couleurs de la formation Côte d'Armor Marie Morin U. Et qui est l'une des recrues de cette équipe, lui qui a impressionné l'an passé à seulement 18 ans, puisqu'il a remporté, comme vous le disiez Brian, le championnat de Bretagne. Un coureur qui a déjà un avenir tout tracé, puisqu'il a déjà signé un contrat pro. Il sera pro chez Arkea Samsic à partir du 1er août 2023. Et ils sont 12 coureurs à l'avant, d'après ce que nous annonce Radio Tour. Alors messieurs, on va faire un petit peu le point sur ce parcours que vous voyez justement en bas de votre écran. 6 tours, on l'a dit, de 22 km, qui ne présentent pas de grandes difficultés aujourd'hui. En général, à Challans, c'est une arrivée au sprint. On a en effet des petites routes sinueuses tout le début de la première partie du circuit, pour ensuite reprendre une belle route qui va ramener sur l'arrivée à Challans. Et en tout cas, on a un circuit qui est très linéaire, qui ne présente, comme disait Simon, pas de grosses difficultés. Par contre, on a un début de course qui est déjà très disputé. Donc ça présage un bon scénario pour la suite. Oui, déjà 12 coureurs qui sont en tête maintenant. Un circuit avec pas de difficultés exactement, vraiment plat. On a l'habitude que cette course arrive au sprint. Est-ce qu'on va avoir une arrivée avec une échappée? On ne sait pas. On va voir ça dans la suite. Avec, on l'a dit, deux coureurs Vendée-U déjà représentés dans l'échappée, deux coureurs de Laval également dans l'échappée. C'est important de mettre plusieurs coureurs à l'avant. Ouais, on voit le team Cube 17 qui est représenté aussi avec un coureur là qui est à l'arrière de ce groupe. Il me semble que c'est Cédric Bessadier pour cette formation que l'on retrouve dans ce groupe, 12 hommes à l'avant. On n'a pas pour l'instant d'écart avec le peloton, mais maintenant il faut aussi réussir à s'entendre. J'ai l'impression qu'on se regarde un petit peu, en tout cas chacun fait sa part de travail. On voit un gros travail de la part des coureurs de Laval, alors qu'on voit que le coureur du team Cube reste à l'arrière du groupe. On voit aussi parmi les maillots représentés un coureur du VC Schwenheim avec le maillot bleu. On voit un coureur de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. On a au moins un Côte d'Armor, un coureur de l'Océan Utop 16 aussi qui est tout au bout à droite devant. Et puis on a aussi, comme on le disait, les deux coureurs du Vendée UPI de la Loire qui sont certainement les plus représentés avec les deux coureurs de Laval dans l'échappée. Et à l'instant, eh bien, premier écart annoncé entre ce groupe d'échappés où ils sont 11 et non pas 12. Confirmation à l'instant sur Radio Tour, 11 coureurs. Donc à l'avant de l'épreuve et avec une avance de 30 secondes sur le peloton désormais. Alors est-ce que derrière on a commencé à travailler en tête de peloton? On n'a pas pour l'instant d'image en ce qui concerne le peloton. On va très vite arriver aussi en tête de course sur le premier point chaud.
puisque le premier point chaud est situé au kilomètre 12,3 et on devrait y arriver vraisemblablement d'ici quelques minutes. On va voir s'il va être disputé parmi les hommes de tête, mais je n'en doute pas. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs maillots distinctifs qui seront remis durant ce circuit des plages vendéennes avec différents partenaires. Alors ce ne sont pas des maillots, mais des tuniques qui sont remises à chaque fois donc sur le podium protocolaire. Un podium où on aura plaisir de retrouver aux commentaires Marion Hérault, toujours 11 hommes de tête. Et l'écart reste inchangé, toujours 30 secondes. Oui, effectivement, au long de cette étape, nous aurons donc 3 points chauds. 3 points chauds ainsi que des classements rush, 3 rush également qui auront lieu tout au long de l'étape pour animer cette belle étape. J'ai l'impression qu'on ne s'entend pas forcément très bien à l'avant, on a vu quelques courses se retourner, faire des signes. Alors est-ce que, on sait, c'est toujours compliqué, s'entendre dans un gros groupe à 11, c'est quand même un groupe assez conséquent, surtout avec beaucoup de formations différentes de représenter. Ouais, c'est vrai que surtout avec deux grosses formations qui sont représentées avec Laval et Vendée-U, je pense que voilà, c'est ces coureurs-là qui vont faire le plus gros du boulot en début pour creuser l'écart. Voilà, 11 coureurs, c'est toujours compliqué de s'entendre, mais ça peut le faire. Derrière, on voit pas pour l'instant, mais les formations, les N1 manquantes, on a vraisemblablement l'impression qu'il manque le VCP Loudéac, l'Océanu Top 16, le Team Cube, Laval Cycliste, Côte d'Armor et Vendée-U sont déjà présents. On ne voit pas non plus de Fibolia, ni de Solassen Espoir et ni de Dinan Cycling pour les N1 présentes sur le circuit des plages vendéennes. Donc je pense que derrière, ça risque rapidement de s'organiser et de ne pas laisser filer un groupe de 11 qui pourrait être intéressant par la suite. On peut voir également deux coureurs de La Roche qui sont représentés oui, avec du coup Laval et Vendée-U. Il y en a Davy Romian qui était dans ce groupe. Je n'ai pas identifié le deuxième coureur du RVC présent à l'avant. Et alors petite information, si... Alors on a fait une pause parce qu'on était à l'écoute de Radio Tour qui donnait la composition de ce groupe de tête. Mais Radio Tour s'est interrompu puisqu'il y a des coureurs en difficulté avec des problèmes mécaniques à l'arrière du peloton et qui avaient besoin de leur voiture. On va donc reprendre dans quelques instants avec la composition de ce groupe d'échappés. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a bien deux coureurs de la formation Vendée-U de présent à l'avant, deux coureurs de la type Côte d'Armor, Marie Morin également, et également donc identifié le Dossard 53, mais qui était déjà présent dans le premier groupe de trois, Kylian Génois, sous les couleurs de la formation Laval Cyclisme 53. Et ce qu'on a pu entendre, Simon, aussi, c'est qu'il y a la nouvelle recrue du Vendée-U, une recrue anglaise, Benjamin Pitfield, qui avait notamment gagné les boucles de l'Oise Junior l'an dernier, donc qui sortait des rangs juniors. Il avait pris la 7ème place aussi sur l'international de la Bernodeau Junior. Il s'était placé 8ème sur Paris-Roubaix, donc une recrue anglaise qui est de bon augure, très jeune pour le Vendée-U Pays de la Loire et qui va certainement faire bonne figure à l'avant aujourd'hui. On entendait aussi Mathis Lebert en plus d'Ewen Costiu devant, donc c'est deux coureurs d'ailleurs qui vont signer prochainement dans la formation Arkea et qui devraient passer pro prochainement. Oui, et l'autre coureur de Vendée-U, bien c'est Nicolas Marceroux qui est également présent dans ce groupe d'échappés. Donc c'est la deuxième saison à ce niveau, vainqueur notamment en étape sur le tour de la région Sud-PACA, Nicolas Marceroux, qui a été formé auparavant au sein de l'équipe Culture Vélo Look Racing. Voilà pour les deux coureurs de Vendée-U qui sont présents à l'avant. On est sûr aussi, donc effectivement, côté Côte d'Armor, de la présence du champion de Bretagne, Ewen Costiu, on le disait, et de Mathis Lebert, et donc Kylian Génois pour la formation de Laval Cyclisme 53. On n'a pas encore le reste de la composition de ce groupe, on devrait l'avoir d'ici quelques instants.
pas de nouvelles non plus en ce qui concerne l'éther avec le peloton. Oui, Kylian Jesmoin qui est un jeune coureur de la formation de Laval. Il est en deuxième catégorie, il sort des rangs juniors, il était auparavant dans l'équipe, il était à Nantes et maintenant il est rendu à Laval pour continuer sa formation dans cette belle équipe. Laval sous la direction de Steven Laurent, le directeur sportif de cette formation. Notez la présence aussi dans les équipes au départ de ce circuit des Plages Vendéennes d'une formation étrangère, une équipe belge, l'équipe Mini Discar Cycling Team. On apercevra peut-être aux avant-postes, éventuellement demain, puisqu'apparemment demain, du côté de Notre-Dame-de-Mont, il y aura du vent. Les Belges, en général, aiment plutôt ce genre de conditions météo. Et Simon, on a pu identifier aussi le deuxième coureur de la Roche-sur-Yon-Vendée Cycliste, c'était Aumenant, qui portait les couleurs l'an dernier du Vendée Pays de la Loire et qui est maintenant à la Roche-sur-Yon-Vendée Cyclisme, un coureur qui va très vite au sprint, qui a une très belle pointe de vitesse et qui a notamment pris l'an dernier la première place du Tour de Guadeloupe sur la 9e étape, qui a brillé sur le Tour de Guadeloupe. Ainsi que sur la Vienne classique, puisqu'il avait gagné cette élite nationale l'an dernier en tout début de saison. Oui, Théo Monant, qui est l'un des vainqueurs, qui a déjà connu le succès ici à Chalon. Il s'était imposé sur cette manche chalonnaise en 2019, Théo Monant. Et il faut noter que dans la formation de la Roche-Vendée Cyclisme, dans le Team LMP Roche-Vendée Cyclisme, eh bien, il y a les deux derniers vainqueurs de la manche chalonnaise, donc Théo Menant en 2019, et puis Clément Orso qui s'était imposé ici en 2020, déjà vainqueur à Chalon sur le circuit des Plages Vendéennes en 2017, année où il avait d'ailleurs remporté le classement général de l'épreuve. Oui, alors que devant, on voit, ils sont 11 coureurs, ça a l'air de pas trop s'entendre, hein. On a vu un peu éparpillé avec deux coureurs devant, trois coureurs qui suivent, et après la suite. Voilà, ça n'a pas l'air de très bien s'entendre, on espère que tout ça va s'arranger. Et on a l'impression que tout le monde ne va pas forcément collaborer. Je vois encore le coureur du Team Ucube 17 qui reste à l'arrière du groupe. Je n'ai pas l'impression qu'il ait pris un relais depuis que cette échappée s'est formée. Non, pour l'instant il laisse faire. Je pense qu'il a pas ils n'ont pas forcément les meilleures cartes devant, il y a des formations qui sont surreprésentées. Donc c'est tout l'intérêt de faire bien fonctionner une échappée, ils sont 11 devant, ça ne va pas peut-être pas s'entendre tout de suite, il n'y a pas de réelle difficulté, donc pour l'instant il y a des coureurs qui ont plus d'intérêt que d'autres à ne pas collaborer. Ouais, et puis on peut voir que les coureurs évoluent sur des petites routes, hein, c'est toujours favorable pour les échappées, le peloton qui ne les a pas en ligne de mire, mais pour cela il faut quand même réussir à bien s'entendre en tête. Alors messieurs, on a pris le direct assez rapidement, on n'a même pas eu le temps de détailler un petit peu ce qu'est le circuit des Plages Vendéennes. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, eh bien le circuit des Plages Vendéennes, c'est 6 jours de course sur le département de la Vendée. 6 jours, alors ce n'est pas une vraie course par étape, puisque normalement quand on parle de course par étape, on a 6 jours de course à la suite. Là, il y a 3 jours de pause, puisqu'il n'y a pas d'épreuve lundi, mercredi et vendredi, donc durant la semaine qui vient. En fait, ce sont chaque jour de course, c'est une épreuve indépendante qui constitue une manche. Et il y a un classement général sur l'ensemble de ces épreuves, ces 6 épreuves, qui s'appelle le circuit des Plages Vendéennes. Voilà pour l'explication. Ce qui explique aussi que, et ça c'est une particularité messieurs, les équipes peuvent changer leur effectif chaque jour, chaque matin, en fonction de l'état de forme des différents coureurs. Oui, c'est vrai, contrairement à une course par étape où tous les coureurs sont là du début à la fin, là voilà, on a l'occasion de voir différents coureurs, même pour les équipes, ça permet un peu de tester tout l'effectif. C'est vraiment important pour les directeurs sportifs en début de saison. Alors on revient sur la tête de course, toujours avec donc nos 11 coureurs de tête, quelques petits problèmes de liaison. Et ça y est, on parlait du Team Ucube 17, ça y est, ils se sont portés en tête du groupe. Gros travail également de la part de la formation Vendée U et de Laval encore une fois. Ce sont peut-être des formations aussi Vendée U et Laval, où on n'a pas forcément envie de voir une arrivée au sprint massif. Bien sûr, et Simon, on a pu identifier aussi le coureur de Schwenheim devant, c'est le numéro 164. C'est Antonin Châtilat-Brunotte, donc qui était l'année dernière, qui a fait 2 ans à l'AC Byzantine les 2 dernières années, et qui est de retour au WC Schwenheim puisqu'il était déjà sociétaire du club en 2019. Un coureur qui avait notamment pris la 14e place des boucles nationales du printemps, qui était une Coupe de France DN2 en 2019. Ça y est, hein, l'échappée a l'air de s'entendre, on voit que ça tourne bien. On n'a toujours pas d'écart hein, avec le peloton, mais devant ça tourne.
Ouais, ça tourne et on a. Alors, j'ai pas les 11 précisément, j'en ai 10 sur les 11 pour l'instant à vous donner. Donc, on retrouve effectivement deux coureurs pour la formation Côte d'Armor Marie-Morin U à l'avant de l'épreuve avec Wayne Coustiou et Mathis Lebert, Benjamin Petfield, le Britannique, et Nicolas Marcerou. Donc, tous deux pour la formation Vendée U Pays de la Loire. On retrouve également Cédric Bessadé pour le team U-Cube 17, la présence de Antoine Souchon pour la formation Océane Top 16, Kylian Génouin et Célestin Dillon, ce sont les deux coureurs de Laval Cyclisme 53. On trouve Antonin Chatila-Brenotte pour le VCU Schwanheim, comme vous le disiez, et Théo Menant pour le team LMP, la Roche Vendée Cyclisme. Je pense qu'il manque tout simplement Davy Rambian dans la composition qu'on nous a donnée et qui était également présent à l'avant. Donc on a les 11 hommes installés en tête de cette épreuve actuellement. Le dernier écart avec le peloton est de 50 secondes. Et apparemment derrière il y a un coureur qui est sorti du peloton, qui est parti en contre, c'est Jocelyn Baglin pour la formation WB Fibolia Morbihan, qui est pointé lui à 50 secondes des 11 hommes de tête. Le peloton lui est maintenant pointé à 1 minute. Et c'est vrai Simon qu'on a tout intérêt à collaborer avec les formations de La Roche-sur-Vendée Cyclisme, du Vendée U, de Côte d'Armor ou encore de Laval Cyclisme avec deux éléments devant. Ça veut dire qu'il y a 8 éléments pour 4 équipes et eux ont tout intérêt à faire collaborer le groupe devant. Et d'ailleurs on voit les coureurs de La Roche qui font leur part de travail dans ce groupe d'échappés actuellement. On rappelle une minute d'avance maintenant avec le peloton. Voilà tout simplement pour l'instant. La course est en train de s'installer. Alors deux solutions, soit on laisse filer ces 11 coureurs en essayant de garder un écart raisonnable et ensuite eh bien, les équipes qui ont des sprinters mettront en marche on va dire dans les 50 derniers kilomètres ou bien est-ce qu'on peut, pourquoi pas, avoir un scénario un petit peu improbable aujourd'hui avec une échappée, pourquoi pas une arrivée d'une échappée ici à Chalon, ça ne s'est quasiment jamais vu. C'est peu probable en effet, on a rarement eu d'arrivée en échappée ici à Chalon. Maintenant les grosses équipes qui pourraient mettre en route derrière avec des sprinters et qui pourraient être intéressants ça aurait pu être Côte d'Armor Cyclisme avec Théo Cotard, mais ils en ont déjà deux devant. Donc maintenant, à voir derrière qui va pouvoir mettre en route pour éventuellement mener la poursuite. Oui, parce qu'il y a aussi La Roche Vendée Cyclisme hein, qui ont deux coureurs devant avec dont Théo Menant. Théo Menant qui est un très bon sprinter, donc ils n'ont aucun intérêt à rouler derrière. Laval aussi a deux coureurs devant. Ils ont Damien Ridel en sprinter à l'arrière, mais c'est pareil, c'est pas des équipes qui vont rouler pour revenir sur l'échappée. On retrouve aussi des équipes des N1 comme Sojasen Espoir hein, qui n'ont personne devant mais qui partent déjà avec un coureur en moins puisqu'ils n'étaient que 6 au départ ce matin au lieu de 7. Donc à voir derrière qui va pouvoir mener la chasse. On n'a pas d'infos pour l'instant concernant le peloton et son organisation. On attend d'avoir des images. Et on parlait des coureurs de Laval Cyclisme 53. Ils sont effectivement deux au sein de cet effectif. On retrouve là Kylian Génouin qui avait été champion des Pays de la Loire. Alors ça remonte, hein, il était dans les rangs cadets mais à courte, il a souvent été chercher de très belles places. On l'a vu notamment sur le Tour du Morbihan, encore du côté de la Sport-Braise et puis du côté de Laval dans cet effectif, dans ce groupe d'échappés. On retrouve également Célestin Dillon qui s'est imposé du côté de Percy en Normandie. Vainqueur d'étape également sur les boucles du Haut-Var l'an passé. Donc un coureur aussi très prometteur au sein de cette formation lavalloise. Ah, et un nouvel écart annoncé entre l'échappée et le peloton, désormais 1 minute et 15 secondes. Ça y est, l'écart vient de passer la barre de la minute, 1 minute et 15 secondes. Alors je ne sais pas si Jocelyn Baglin, qui était intercalé en contre entre l'échappée et le peloton, eh bien, est toujours seul ou s'il a été repris par le peloton. On n'a pas pour l'instant d'informations à ce sujet. Et là maintenant, qui veut dire la minute, dit qu'on va pouvoir voir les voitures des directeurs sportifs qui ont des coureurs à l'avant. Vont pouvoir se rapprocher de l'échappée et vont pouvoir éventuellement pallier au terme de la course à donner les bidons ou même réparer les éventuels problèmes techniques. Oui, d'ailleurs on a vu hein, les coureurs qui l'ont bien compris, on a vu les coureurs de Vendée U, encore ceux de La Roche, appeler justement leur voiture à l'arrière de ce groupe d'échappés. On a aperçu Ewan Costiu avec son maillot de champion de Bretagne, facilement reconnaissable parmi les 11 coureurs de tête, Ewan Costiu forcément. Alors vous voyez maillot bleu ciel en haut, et eh bien c'est l'équipe Côte d'Armor, les maillots blancs, et eh bien c'est la formation Vendée U.
Les maillots rouge, vert et noir qui ont été modifiés pour cette saison, eh bien c'est le team LMP La Roche Vendée Cyclisme qui a fait un joli nouveau maillot. Les maillots maillot bleu foncé, eh bien c'est le VCU Schwannheim. Les maillots roses, eh bien ce sont les coureurs de Laval Cyclisme 53. Maillot noir, c'est la formation Océane Top 16. Et oui, on nous apprend que le coureur de Fibolia a été récupéré par le peloton. Ah oui, donc Jocelyn Baglin qui n'est plus intercalé en contre entre le groupe d'échappés et le peloton, repris donc par le peloton. On rappelle l'écart entre les 11 hommes de tête et le peloton, toujours 1 minute et 15 secondes pour l'instant. Oui, hein, les formations qui ont été piégées et qui ne sont pas représentées à l'avant, dont Fibolia, essayent de mettre quand même des coureurs avec pourquoi pas une contre-attaque qui peut rentrer plus tard sur l'échappée. On n'a pas eu vraisemblablement de nouvelles du premier point chaud, mais qui a dû passer puisqu'il était au kilomètre 12. Mais on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant de Radio Course. Non, on n'a pas eu les résultats pour l'instant de ce premier point chaud, donc disputé aujourd'hui, alors qu'on aperçoit l'arrière du groupe Benjamin Petfield, le Britannique de la formation Vendée U. On en parlait il y a quelques instants. Pour l'instant, toujours écart de 1 minute et 15 secondes entre ces 11 hommes de tête et le peloton actuellement. J'ai l'impression qu'on temporise un petit peu, peut-être en tout cas du côté des hommes de tête. On a passé la barre de la minute, on en profite pour aller se ravitailler justement, pour aller voir son directeur sportif. Et Simon, là on se rapproche de l'arrivée puisqu'on arrive à la flamme rouge d'ici 200 mètres. Les coureurs vont prendre à droite au rond-point et ensuite ils vont arriver dans la grande ligne droite d'arrivée qui va les amener juste devant le quart podium. Ouais, alors je ne sais pas si Benjamin Petfield a un problème, mais ça fait plusieurs fois qu'il appelle sa voiture. Je ne sais pas ce qui lui arrive au coureur donc, de l'équipe Vendée U que l'on voit là en discussion justement avec la moto info et les coureurs qui sont en train de faire leur entrée. Dans Chaland, le passage à l'instant de la flamme rouge est donc le premier passage dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée. Voilà, les coureurs à l'avant qui prennent le temps de s'alimenter. C'est une course quand même qui va faire 133 km. Une course assez longue, il est important de s'alimenter dès le début. C'est vrai qu'en échappée, on a plus le temps de s'alimenter, on prend plus le temps. Et voilà, les coureurs qui passent maintenant sur la ligne. Allez, on voit que les voitures de directeurs sportifs ne sont pas encore venues derrière l'échappée. N'ont pas encore eu l'occasion de passer pour rejoindre leur coureur. L'écart est inchangé, 1 minute et 15 secondes toujours entre les 11 hommes de tête et le peloton actuellement. Quelques équipes à représenter à l'avant. Il faudra voir justement quelles sont les formations non représentées qui pourraient rouler. On peut penser à ce Jason Espoir. On peut penser peut-être à Dinan qui n'est pas représenté. Et donc maintenant qu'ils sont passés sur la ligne, il va leur rester, ils ont déjà fait un tour, donc il va leur rester 5 tours de 22 km 200. Et l'écart, on n'a toujours pas de nouvelles. Hein. Dernier pointage, c'était 1 minute 15, mais toujours pas les voitures derrière les hommes de tête. Et on a vu d'ailleurs les coureurs qui se retournaient dans l'échappée pour voir justement s'ils apercevaient le peloton qui va passer maintenant sur cette ligne d'arrivée. Les voici et c'est la formation Sojasson, j'ai l'impression, qui emmène actuellement ce peloton. On voit justement les directeurs sportifs qui tentent de doubler le peloton pour rejoindre le groupe d'échappée. L'équipe Sojasson qui n'est pas représentée à l'avant, on le disait, c'est l'une des formations de N1 et qui n'a personne dans cette échappée. Nouvel écart, Simon, entre l'échappée et le peloton, 1 minute et 10 secondes. Donc ils ont perdu 5 secondes. Mais on a un écart tout aussi confortable puisqu'on voyait déjà les véhicules des directeurs sportifs passer devant le peloton sur la ligne d'arrivée. 1 minute 10, effectivement, ça reste relativement stable pour l'instant entre les 11 hommes de tête et le peloton actuellement. Et donc la fin de ce premier tour de 22 km 200, il en reste encore 5 à effectuer sur cette première manche du circuit des plages vendéennes ici du côté de Chaland. Oui, et derrière on a pu voir Sojasson, Fibolia et également Dinan aussi hein, qui ne sont pas représentés à l'avant, qui sont donc obligés de rouler dans le peloton. On va reprendre des routes à l'image du circuit hein, qui vont être en faveur des échappés puisque c'est des petites routes assez sinueuses.
où le peloton avec une minute les aura jamais en ligne de mire. Donc maintenant le nerf de la guerre va se trouver entre la bataille du peloton et des échappés, à savoir si le peloton va savoir s'organiser assez rapidement, parce qu'il y a quand même 11 hommes devant en tête et qu'il va falloir boucher un trou assez rapidement pour revenir sur la totalité du groupe de tête. Alors messieurs, j'en profite puisque pour l'instant les choses se stabilisent pour bien sûr remercier la ville de Challans qui nous accueille aujourd'hui. C'est une tradition de venir ici à Challans avec le circuit des plages vendéennes. Challans qui est une vraie terre de cyclisme. On se souvient d'un départ du Tour de Vendée, c'était en 2019, et qui s'était lancé pas très loin d'ici sur le boulevard Vieux Grand Marais. Et puis Challans qui a accueilli deux fois le Tour de France, une première fois en 1999 avec une étape entre Montaigu et Challans qui avait été remportée, alors je pose la question, remportée par un Estonien qui détient le record de victoire et de podium sur le Tour de Vendée. Est-ce que vous voyez de qui je parlais? Pas forcément, parce que c'est pas forcément de votre génération. Ça vous parle ou pas? Du tout, si. Non, pas du tout. Non. C'est Yann Kersipou qui remportait donc cette étape à Challans en 1999. Les coureurs étaient partis le lendemain de Challans direction Saint-Nazaire avec une victoire de Tom Steels, le coureur belge. Kersipou prenait le maillot jaune. Et puis la deuxième fois, c'était en 2005 avec un départ d'étape cette fois-ci. Les coureurs partaient de Challans direction Les Essarts avec une arrivée devant le manoir Saint-Michel, le siège de l'équipe Total Energy. Et c'est un autre belge qui s'imposait. Tom Bonnen était victorieux dans les rues donc des Essarts, maintenant appelés les Essarts en bocage. Voilà pour la petite histoire donc de Challans et du Tour de France. Et donc on remercie encore une fois la ville de Challans pour son accueil, alors qu'on voit que l'écart diminue légèrement. On revient à une minute maintenant entre l'échappée et le peloton. Oui, on nous annonce aussi que c'est Sojasson qui roule derrière pour essayer de reprendre du temps sur cette échappée. Et c'est vrai que les équipes derrière ont tout intérêt à ramener le peloton le plus rapidement possible pour éviter de lâcher trop de cartes dans la bataille et remettre tous les plans à zéro, puisque c'est vrai que 11 hommes de tête ça fait beaucoup, et avec des formations surreprésentées avec des N1 comme Laval ou encore même Vendée-U, ou même les deux Côtes d'Armor Marie-Morin d'ailleurs, ça peut vite être très dangereux. Ouais, d'autant plus qu'on sait que l'équipe Côte d'Armor est plutôt en forme. Ils ont réalisé le triplé sur la Flèche Bigouden il y a seulement une semaine, avec en allant chercher les trois premières places, et ils mettaient même, je crois, 8 coureurs dans les 10 premiers de l'épreuve. Et on se méfie bien sûr des coureurs de la formation Côte d'Armor. Et on voit que l'écart diminue. Nouvel écart, 55 secondes, ça continue à diminuer. Alors justement, on va peut-être voir ce qu'il se passe du côté du peloton. Et on profite bien sûr pour remercier l'ensemble des partenaires de cet événement avec le conseil départemental de la Vendée. Alors qu'on a apparemment le peloton effectivement roule à très vive allure. Peloton en file indienne actuellement derrière donc les 11 coureurs de tête. Oui, peloton en file indienne, sous l'impulsion de Sojasson. Sojasson, ils sont en train d'emmener, ils ont zéro coureur devant. Dinan également n'a pas le coureur à l'avant. Ça va être des formations qui vont devoir prendre la poursuite de cette échappée à cœur, parce que voilà, on va se rapprocher de plus en plus de la fin de la course et il faut revenir, faut pas laisser de cartouche comme l'a dit Brian. Et apparemment on trouve aussi des coureurs de Séchartres Cyclisme à l'avant du peloton actuellement. Ça y est, on le voit donc ce peloton avec là les coureurs de Dinan qui emmènent actuellement la poursuite derrière les 11 hommes de tête, et l'écart qui est repassé, on le disait, sous la barre de la minute, 55 secondes désormais. Et c'est vrai qu'ils ont tout intérêt à collaborer très rapidement. Le circuit ne présente pas de véritables difficultés. Donc pour faire le jump, c'est très très compliqué. Il y a très peu de vent aujourd'hui. Donc le vent, pareil, va pas être en la faveur du peloton pour créer une éventuelle bordure et repartir de l'arrière. Donc là, maintenant, le seul gros objectif des formations qui vont rouler au peloton, ça va être de rentrer le plus rapidement possible en évitant de lâcher trop de cartes pour ensuite remettre tous les plans à zéro. Et on voit d'ailleurs aussi les coureurs de Laval qui se portent à l'avant du peloton, qui viennent en fait un peu casser le rythme justement de la poursuite. C'est l'objectif, puisqu'ils sont représentés à l'avant.
Ouais, j'ai bien l'impression qu'on voit Florian Rapiteau là en 3ème ou 4ème position. Donc il vient gêner, ouais, c'est bien Florian. Et on voit derrière, d'ailleurs, devant DU aussi, qui viennent gêner la progression du peloton. Puisqu'à chaque fois, on va voir que quand le coureur de Sojasen va s'écarter, Florian comme les Vendée U ne vont pas continuer d'assurer la chasse et vont diminuer le rythme du peloton. Et on voit que l'écart diminue encore, 50 secondes. On vient de perdre 5 secondes entre l'échappée et le peloton à l'instant, sous la pulsion. Notamment, on le disait, de trois formations. La formation Sojasen Espoir, l'équipe de Dinan, et la formation C Chartres Cyclisme. On peut voir les coureurs de La Roche Vendée Cyclisme aussi, hein, qui remontent pour gêner les relais toujours. Et Loudéac aussi, sur la droite, Loudéac, qui remonte également. Oudéa qui n'a d'ailleurs aucun coureur à l'avant et qui risque de se porter aux avant du peloton pour donner un soutien aux formations comme Sojasen ou Dinan. Et ce sont forcément les formations qui ne sont pas représentées qui mènent actuellement la chasse. Et l'écart qui continue de diminuer, 47 secondes désormais entre les 11 hommes de tête et le peloton, avec le gros travail de Dinan, notamment en tête de ce peloton, et de Sojasen. Ah, et Radio Tour annonce 40 secondes à l'instant. Les 11 hommes de tête qui vont commencer à percevoir le peloton, et le peloton qui va commencer à avoir en ligne de mire les hommes de tête. Ce n'est jamais bon signe pour une échappée. Après, Simon, chose très intéressante, on arrive dans une partie du circuit qui est très sinueuse. On voit les coureurs de Laval et de Vendée U qui sont très bien placés aux avant-postes et qui vont pouvoir évidemment profiter à l'échappée en se mettant à l'avant du peloton et en évitant que les autres coéquipiers de Laval, enfin de Sojasen, pardon, de Dinan puissent remonter aux avant-postes. Donc là, une stratégie vraiment très intelligente des équipes qui ont des coureurs à l'avant déjà, puisque ça va permettre de stabiliser l'écart, voire de le refaire grimper éventuellement sur des routes sinueuses comme ça. Et d'ailleurs, les coureurs de Dinan le s'en sont rendus compte. Ils se sont retournés, ils ont vu que les coureurs de Vendée U étaient juste derrière eux. J'ai l'impression qu'on commence à percevoir aussi en tête de peloton un maillot qu'on n'a pas l'habitude de voir en Vendée. C'est le maillot de l'équipe belge Mini Isfer Cycling Team. Pourquoi pas aujourd'hui une victoire belge en terre chalandaise. C'est vrai que c'est la seule équipe étrangère, c'est une équipe qui a été créée l'an dernier en plus. Oui. Avec principalement d'ailleurs et uniquement que des coureurs belges. Donc à voir ce qu'ils peuvent amener sur la poursuite avec les échappés. Et c'est une équipe qui a été créée par un ancien professionnel à cette formation, Grégory Abbeau, qui a porté les couleurs de trois équipes belges. Il a été au sein de l'équipe Véranda Willems, Monty et Wallonie-Bruxelles. Il avait remporté à travers le Hageland, mais il avait fait le podium aussi sur Paris-Chauny, sur les routes françaises. Et deuxième du classement général des boucles de la Mayenne, c'est maintenant le directeur sportif de cette formation, Mini Disper Cycling Team. Toujours le très gros travail de Dinan en tête de peloton actuellement, un peloton qui s'étire de plus en plus dans cette partie sinueuse. Et on le voit, Simon, hein, y a uniquement deux coureurs de Dinan qui sont en train de mener la chasse. D'ailleurs, c'est deux coureurs de Fibolia, même, c'est même pas Dinan, j'ai l'impression. C'est deux coureurs de Fibolia qui sont en train de mener la chasse. Et derrière, d'ailleurs, ils demandent de l'aide, puisque pour couper les relais, c'est uniquement Vendée U et Laval Cyclisme qui sont derrière. Donc ils sont en train de mener la poursuite à 2 contre 11. Et 33 secondes, hein, l'écart qui continue de descendre sous l'impulsion de Fibolia. Vraiment, il demande du renfort. On va peut-être voir Loudéac qui va venir leur porter de l'aide. Effectivement, cette année, l'équipe bretonne WB Fibolia Morbihan qui a changé d'appellation cet hiver. Auparavant, c'était WB Fibolia Locminé. Désormais, il faut dire WB Fibolia Morbihan. Et on voit aussi l'équipe de Chartres, hein, qui se porte aux avant-postes. 33 secondes, dernier écart annoncé entre l'échappée et le peloton. Et pour revenir à WB Fibolia, on a vu qu'hier ils ont fait une très belle étape aussi sur l'Essor Basque, puisqu'on a vu Jean-Louis Lenny à la 4ème place, qui était accompagné d'ailleurs devant de Stéphane Bennett, qui était chez Team Pro Imo, équipe qui est maintenant d'ailleurs plus sur le circuit cycliste. Et donc du coup, Stéphane Bennett a rejoint les rangs de WB Fibolia, pardon, donc une carte très intéressante pour l'équipe bretonne. Ouais, Joël Lenny, vainqueur l'an passé du Tour de Bretagne, justement à domicile, ce qui avait fait énormément plaisir à l'ensemble de l'équipe WB Fibolia Morbihan et à leurs partenaires. Ils le disent eux-mêmes, hein, le Tour de Bretagne, c'est un petit peu leur Tour de France à eux. Ils avaient réussi donc à remporter le classement général de l'épreuve, une équipe qu'il faut surveiller avec attention.
Et on voit, alors j'ai l'impression que derrière certains coureurs sont en difficulté dans les voitures. Et je ne sais pas, à l'avant on n'a plus du coup d'image de la tête de course. Alors si le motard, si le caméraman pouvait revenir avec le groupe d'échappée, de manière à ce qu'on sache comment on s'organise à l'avant, est-ce que tout le monde continue à collaborer ou non, pour essayer de maintenir l'écart avec le peloton. Et j'ai bien l'impression que c'est Maxime Joly qui emmène le peloton. Maxime Joly, hein, qui est à domicile, hein. Il habite la Garnache à côté de Chalands. Il a à cœur aujourd'hui d'être à l'avant, de se montrer, et c'est important pour Fibolia. Et pour en revenir à Fibolia et au Tour de Bretagne, on se rappelle que la victoire de Jean-Louis Aigny était très disputée, jusque dans les derniers hectomètres d'ailleurs, puisqu'il avait chuté dans les derniers hectomètres sur la dernière étape du Tour de Bretagne. On avait annoncé d'abord Cédric de la Place vainqueur du Tour de Bretagne, et finalement la règle des 2 km était entrée en vigueur, et Jean-Louis Aigny avait pu remporter le Tour de Bretagne, sachant qu'il avait été présent tous les jours et que c'était loin d'être démérité. Oui, c'est là effectivement cette règle des 3 km, on peut l'expliquer, c'est qu'en fait si un coureur tombe dans les 3 derniers kilomètres de l'épreuve, il est classé dans le même temps que le vainqueur de l'épreuve, ce qui a donc permis effectivement à Jean-Louis Aigny d'être bien classé et de remporter le classement général de ce Tour de Bretagne. On a un coureur qui sort maintenant du peloton derrière, c'est Lou Deac, et qui est en train de faire l'effort. C'est un W Fibolia encore hein, là qui est sorti, et derrière on voit 3-4 coureurs de Lou Deac qui sont en train de mener la chasse. J'ai l'impression aussi de voir Maximilien Provost qui était coureur à l'Unante Atlantique, d'ailleurs Unante Atlantique qui n'est plus en National 1 mais qui est maintenant en Continental, équipe professionnelle depuis le début de l'année, donc 2022, et qui était présent sur l'Étoile de Bessèges et le Grand Prix de la Marseillaise. Et leur prochain rendez-vous sera ça, le Tour du Haut Var et des Alpes-Maritimes. Et il y a deux formations françaises hein, qui sont montées de niveau durant l'hiver, qui donc a intégré le monde professionnel. Le team Unante Atlantique, accompagné par la formation Nice Métropole. L'accélération maintenant d'un coureur de la formation Sojasun. Damien Baudard, il me semble. Oui, j'ai bien l'impression que c'est lui. Il connaît très bien les routes vendéennes, Damien Baudard. Il a commencé à Chalands aussi, hein, le cyclisme. Chalands, Saint-Jean-de-Mont. Il est du coin également, c'est ses routes d'entraînement, hein, Damien. J'ai un doute sur le fait que ce soit bien Damien Baudard à l'avant de ce peloton. Non, Damien, sa course de reprise, c'est d'ailleurs, ce sera demain à Notre-Dame-de-Mont, ouais, sur la deuxième étape du plage. Hein. Et on voit les cours de Sojasun qui remontent. Hein. À l'instant, ils sont 4 en train de remonter pour se porter à l'avant du peloton. L'écart qui redescend 20 secondes désormais, ah, ça sent mauvais pour les 11 hommes de tête. Si on arrive à maintenir cette avance, si on arrive à maintenir ce rythme du côté du peloton, eh bien, les 11 hommes de tête vont pas tarder à être repris. Il faudra tout refaire sur cette première manche du circuit des plages vendéennes ici du côté de Chalands. Oui, hein, les coureurs sont déjà représentés comme Laval. Laval, les coureurs comme ça, La Roche-sur-Yon, Vendée-U aussi, qui sont représentés à l'avant, ils vont être prêts à aller en contre-attaque. Ouais, contre-attaque, alors qu'on voyait les coureurs de Loudac faire un signe pour dire bon, maintenant on a fait notre part de travail, c'est aussi aux autres de rouler. Et c'était Florian Dauphin qu'on apercevait, j'ai l'impression, à l'avant du peloton, qui était stagiaire d'ailleurs l'an dernier chez BNB Hotel KTM. Il y a un coureur de Laval et de Sojasun qui sort du peloton. On voit le gros travail de Florian Rapiteau hein, qui vient sans arrêt couper les relais, qui était très présent le week-end dernier sur la première étape de l'essor puisqu'il a fait toute la course en tête. Il était parti dès les premiers kilomètres et il s'est fait reprendre d'ailleurs dans le dernier kilomètre de cette épreuve. Mais il avait 200 mètres. Ouais, 200 mètres, ouais. Il était accompagné d'ailleurs de deux Vendée U. Ceci dit, il avait remporté tous les classements annexes, donc classement grimpeur, meilleur combatif. Et c'est le coureur qui aime beaucoup les échappées, qui a ce style de baroudeur, qui n'hésite pas à attaquer. Un coureur très intéressant et qui vient aussi, on voit, faire du boulot pour l'équipe. Ouais, il vient justement casser les relais en tête de peloton et empêcher à certains coureurs de partir en contre-attaque. Florian Rapiteau qui a réalisé une très belle saison l'an dernier aussi, hein, avec de belles victoires sur les Boucles de la Loire au prix
Paul Frêle autour des Mauges. Donc voilà, Florian Rapiteau, un spécialiste des échappées, alors qu'on voit le groupe de tête. Non, c'est le peloton. Le peloton qui passe à l'instant au niveau du deuxième classement au point chaud de l'épreuve. On n'a pas plus d'informations ce qui concerne l'échappée. Voilà, on voit un écart qui diminue encore, Simon, 20 secondes. Et on voyait à l'écran les coureurs de tête passer il y a très peu de temps sur cette ligne du point chaud. Donc je pense qu'ils doivent les avoir en ligne de mire. Oui, hein, 34 km de parcouru pour l'instant. Il reste maintenant 100 km aux coureurs avant l'arrivée. Oui, d'autant plus que maintenant on va être sur des portions avec de grandes lignes droites pour revenir sur Chaland, ce qui va forcément, ce qui peut en tout cas favoriser le retour du peloton sur les hommes de tête. Dernier écart, donc 20 secondes, toujours 11 coureurs installés à l'avant de cette première manche du circuit des plages vendéennes. On vous les rappelle, c'est 11 coureurs avec deux coureurs de la formation Côte d'Armor, Marie Morin U, Ewan Costiou et Mathis Lebert. Deux coureurs de la formation Vendée U avec Benjamin Petfield et Nicolas Marceroux. Un représentant de la formation Team YouTube 17 avec Cédric Bessadier. Un représentant d'Océane Top 16, Antonin Souchon. Deux coureurs de Laval Cyclisme 53 avec Tiliane Génois et Célestin Dillot. On retrouve également un représentant de la formation alsacienne, le VCU Schwanheim, Antonin Chatila Brenotte. Et on retrouve deux coureurs du team LMP La Roche-Vendée Cyclisme, Théo Menon et Davy Romian. Et toujours 20 secondes, alors que l'on retrouve justement à l'image nos 11 coureurs de tête. Et effectivement, on se retourne, même si pour l'instant on s'emploie quand même en tête de ce groupe pour essayer de maintenir les terres avec le peloton. L'entente a l'air de rester correcte, hein. On voit une échappée en file indienne. Certains n'ont pas intérêt à tout donner dans leur relais, la collaboration n'est pas totale, mais on voit une échappée qui tout de même collabore bien. On est sur la retenue pour certains, mais en tout cas on ne perd pas de temps sur les trois derniers kilomètres. Oui, hein, c'est vrai que même si l'écart redescend à 20 secondes, cela ne veut rien dire. On peut très bien redescendre et remonter d'un coup si derrière ça fait rideau au niveau du peloton. Donc voilà, devant il faut continuer à collaborer et aller de l'avant. Ouais, on ne sait jamais, il peut y avoir une mésentente à l'avant du peloton. Soudainement une équipe peut décider de ne plus rouler, en tout cas pourrait souhaiter que d'autres viennent lui prêter main forte. Quelques petites difficultés de liaison, ça va revenir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Alors que les coureurs vont commencer à revenir du côté de Chaland pour un deuxième passage sur cette ligne d'arrivée. Il restera donc ensuite 4 tours de circuit à effectuer autour de Chaland. Et souvent le plus dur, Simon, c'est de revenir. Les 20 dernières secondes à boucher pour le peloton, on a les échappés en ligne de mire, on croit que le travail est fini, et non, il faut vraiment rentrer, surtout sur un circuit qui est très sinueux comme celui de Chaland. Outre la dernière ligne droite, on a vraiment des routes qui sont étroites, qui virent beaucoup à droite, à gauche, donc on a un circuit qui est vraiment profitable à une échappée, outre cette large ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, apparemment, l'écart est légèrement remonté, 30 secondes désormais, entre l'échappée et le peloton. Comme vous le disiez, il n'y a encore rien de joué, même si le peloton a en ligne de mire les hommes de tête. Eh bien, ils ne sont pas encore rentrés sur la tête de l'épreuve. Et on en profite pour saluer et remercier tous les partenaires de ce circuit des plages vendéennes. L'occasion d'ailleurs de reparler des différentes tuniques qui seront remises sur le podium protocolaire, avec la tunique jaune pour le classement général parrainé par les magasins Hyper-U et Super-U, le maillot blanc pour le classement des roches parrainé par Voisin Construction. Il y aura la tunique verte pour le meilleur espoir parrainé par les vérandas Gustave Rédeau, les tuniques pourpres pour le classement par équipe parrainé par la fondation Yves Cugnot. Et d'ailleurs, on a une très forte pensée aujourd'hui pour monsieur Yves Cugnot, qui a très longtemps apporté son soutien au cyclisme vendéen, au circuit des plages vendéennes en particulier, qui nous a quitté il y a quelques semaines maintenant. Le maillot bleu pour le classement des points chauds parrainé par le Crédit Mutuel, et puis la tunique rouge pour le classement de la combativité parrainé par les concessions Bessot Automobile. Et oui, hein, devant ça s'entend très bien, l'écart qui remonte à 30 secondes. Les coureurs de Laval, Vendée-U, sont toujours de l'avant et ils vont continuer à collaborer car ils ont tout intérêt à donner le maximum à l'avant. Et c'est Ewan Costiou qui relance en tête de l'échappée à l'instant, le coureur de la formation Côte d'Armor Marie Morin avec son maillot de champion de Bretagne. Un coureur jeune, en fait. Un coureur âgé de 19 ans, qui avait pris aussi la troisième place sur une étape du Tour de Bretagne et qui a fini quatrième des championnats de France l'an passé. Une bonne entente, pardon, à l'avant, hein,
Et puis on le disait, Wayne Kostiou, c'est un coureur qui a déjà un avenir tracé, puisque a déjà seulement 19 ans, il a déjà signé un contrat pro avec l'équipe Arkea Samsic, qui débutera donc, on l'a dit tout à l'heure, en août 2023. Ils sont deux dans ce cas de figure au sein de l'équipe Côte d'Armor, Marie Morin, Wayne Kostiou et Mathis Lebert, qui sont tous deux promis à rejoindre les rangs de la formation Arkea Samsic à partir de l'été 2023. Oui, et c'est bien comme ça de rejoindre une équipe intermédiaire avec Côte d'Armor. Ils vont pouvoir apprendre les courses sur les courses élites et ensuite rejoindre les rangs professionnels. Car quand on sort de junior, il faut quand même une formation avant d'aller dans les rangs professionnels. C'est important. Et d'ailleurs, on a l'impression que de plus en plus, les équipes professionnelles viennent chercher tôt les coureurs. En tout cas, leur font signer un contrat.